des petits clubs sandwich andouille de guémené et sauce moutarde et phare noir. Bonjour, je m'appelle Barney Ivan, j'ai 27 ans, ça fait 13 ans que j'ai principalement fait que des étoiles et Michelin. Et au jour d'aujourd'hui, avec mon père, je tiens le restaurant de la Marine à Groix. Ça fait du bien quand on met des messieurs. On attaque Jean-Pierre. On attaque Olivier. Allez, c'est parti. Là, on est poulpe groix, fumaison, quoi. Poulpe groix, magnifique, juste magnifique. Il est accompagné d'un caviar d'aubergine, café Clément. Caviar d'aubergine, citron et basilic, huile au basilic, pickles d'oignon, herbes sauvages en partie, d'accord, tagette agrume. Et on va donner un petit peu de texture avec une tuile hématale. L'idée, c'est vraiment la texture. Entre, tu vois, le crémeux, le crémeux. Exactement, sur les textures. Avec des arômes assez prononcés, hein, autant sur le temps. Voilà, on peut aussi des fois sur les saveurs. Exactement. Ah, le poulpe, j'adore ça. Ah, c'est magique. Ça, il y a 3 ans en Espagne. Et puis là ils essayent de valoriser le produit parce qu'il y en a tellement. On est infesté de poulpe. Viens. C'est tellement bon. C'est tellement bon quand c'est bien cuisiné. Exactement. C'est pareil. Exactement. Tout est. Ah, on va s'amuser. Vraiment, on a su revaloriser un produit. Alors, l'idée, c'est d'apporter un petit peu d'acidité. Avec des pickles. Avec les pickles d'oignon rouge. Exactement. Ça, c'est Clément qui a fait tout ça. L'oignon rouge, c'est pas le brassage. Ah non, ça c'est vraiment du rouge de Groix. Rouge de Groix, les aubergines de Groix, tout est de Groix. C'est 100%, ça vient à rayon quoi, 5 km, 7 km. Là on est à 15. Ouais, c'est ça, tu vois. Comment si tu fais un rayon de 15 km, t'es dans la mer, hein. Ah ben non. le poulpe lui, on est à peu près à 15 km. Voilà, on va s'amuser à mettre un petit peu de verdure. Tagette agrume, elle va venir. Oui, huile au basilic. C'est maison. Parce que je dis souvent en cuisine, si tu me trouves un basilic quand il est agineux, je veux bien. Pas faux. Regarde comme c'est bon. Regarde. Ah oui, non. Les gens, c'est magnifique. Hein. Voilà, merci. C'est vraiment un aromate qui parfume. Ah bah là, en l'occurrence, c'est. Là, on était tranquille pour les faire mettre au soleil. Là, c'est exactement ça en fait. Pour communiquer les saveurs, en les mettant au soleil, je ne sais pas comment vous le faites. Moi, je les laisse au soleil dans l'huile pendant 3 semaines. Mais là, pour avoir une couleur verte, ça pour fixer la chlorophylle, ouais. Un petit peu technique. On parlera, mais j'ai mon petit truc. D'accord, aussi verte que ça? Ouais. D'accord. 30 grammes de sel olive. Ah ouais? Non, il y a zéro sel dedans. Non, mais pour la cuisson. Ah d'accord. 30 grammes de ouais, sel c'est olive. Ça, ouais, bien sûr. 30 grammes de sel olive et dans la glace. Et après, choc thermique. Et après, exactement. Et après, le verre, il est. Donc on a à peu près la même technique. Voilà. Regarde. Magnifique. On passe à table. Poulpe de Groix fumé, caviar d'aubergine au citron, huile au basilic. Ceviche de lieu jaune de ligne, aux petits légumes acidulés, crème de citron vert. L'œuf parfait, céleri façon risotto au vieux parmesan et lait de parmesan. Raies de nos côtes, à l'huile de sésame torréfiée, sauce soja, petit légume grillé façon antipasti. Gavotte croustillante de fraises de Groix. Mascarpone à la vanille.